Aïe, j'ai encore des frelons. 10 jours après une intervention, il y a encore des frelons. Allez, nous allons voir ce qui se passe. Sachant que la fondatrice a été attrapée, qu'est-ce qui se passe dans ce nid? Y a-t-il encore de l'activité? Fait chaud aujourd'hui, hein? Bon, à première vue, il n'y a pas l'air d'avoir d'activité. Donc, on va enlever ce qui reste. Comme ça, du coup, ça sera enlevé. Je vais mettre des gants. Allez, me voilà avec une paire de gants. Ça sera un peu mieux pour enlever le nid, quand même. Si je peux éviter d'avoir de la poudre sur moi, ça serait mieux. Allez, on va enlever ça. Alors. Bon, il n'y avait plus d'activité, hein, forcément, sur ce nid. Hein. On peut voir les larves qui tombent, du coup, et qui sont sur le produit, du coup. Donc, forcément. Voilà. Bon, c'était encore un nid avec une réussite. Bon, après, des fois, il peut arriver qu'au bout de 10 jours, bon, vous pouvez avoir encore un ou deux frelons, bon, ce qui s'est passé ici. Mais voilà, quoi. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien, les. C'est mort, tout est mort. Voilà. Allez, bonne journée. Allez, là, je viens de séparer les galettes. Donc, effectivement, on peut encore voir au bout de 10 jours quelques l'activité. Hein. Mais regardez, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de sortir. Mais au-dessous de sa galette, il y avait du produit. Donc, il va faire comme ceux que vous voyez à gauche, à droite. Il va mourir. Et c'est pareil pour les larves. Il y a aussi des larves qui sont encore en vie 10 jours après, mais bon. C'est bel et bien un nid mort. Voilà.